Votre agence ou votre réseau vient juste d'ouvrir ses portes et vous êtes nouveau conseiller dans le secteur et vous vous posez une foule de questions par où commencer, où trouver des prospects, des mandats, comment développer votre réseau, comment lancer le bouche à oreille, quel levier actionner pour que le vendeur apprenne votre existence. Lancez ça comme à partir de zéro, c'est maintenant. Bonjour, je suis Frédéric Kepler, fondateur de Facilogy.com, j'ai créé cette chaîne pour vous parler marketing stratégie immobilier et vous aider à tirer le meilleur parti de vos actions de prospection. Aujourd'hui on va se demander comment lancer sa com immobilière quand on démarre sur un secteur. Une chose est sûre, c'est que les prospects ne vont pas tomber du ciel, surtout si vous venez juste d'ouvrir, en tout cas votre enseigne, et qu'au niveau notoriété, bah, tout est à construire d'ailleurs entre parenthèses forcément c'est moins compliqué quand on est franchisé parce que la marque est déjà connue mais pas mal de conseils qui vont suivre s'appliquent aussi aux franchises le problème c'est que sans prospects vendeurs bah vous n'aurez plus de mandat et sans mandat pas de bien à proposer aux acheteurs et pas de commission plus de chiffre d'affaires bref vous ne connaissez la musique je ne vais pas donc vous la rappeler donc ces prospects il faut les trouver il y a deux moyens d'y parvenir soit en allant les chercher ça, c'est ce qu'on appelle la prospection, c'est ce qu'on a déjà traité dans une précédente vidéo, soit en les faisant venir à vous. Et pour ça, il faut communiquer, mais communiquer auprès des prospects quand on vient tout juste d'arriver sur un secteur, bah, ce n'est pas si simple. On va donc voir tout ça dans cette vidéo et voir quels sont les leviers sur lesquels vous devez vous concentrer pour lancer des actions de communication efficaces. Levier numéro 1, support physique et communication locale. Sans discuter l'importance... Prise par les outils digitaux ces dernières années, bah, il ne faudrait pas non plus zapper les fondamentaux pour une agence immobilière ou un mandataire qui essaye de communiquer. Et par fondamentaux, je veux dire des locaux qui ont pignon sur rue, une vitrine bien visible et des supports papier à distribuer. Et oui, on aurait tendance à oublier, mais vous êtes un commerce de proximité et ou un acteur local. Ce statut implique que euh, votre source de confiance, c'est l'ancrage local. Plus vous serez intégré dans votre zone de chalandise, et plus vous allez générer de la confiance. Mettez-vous à la place d'un vendeur. Il doit confier sa maison à un type qu'il ne connaît pas pour une transaction à plusieurs centaines de milliers d'euros. On comprend bien qu'une présence physique et locale, c'est un sacré élément de réassurance. En particulier, vous pouvez optimiser cette présence locale en vous focalisant sur deux points. Votre vitrine d'agence, hein, c'est ce qui va vous donner, en tout cas, c'est ce qui va donner envie aux prospects d'entrer dans vos locaux. Vous pouvez la mettre en valeur avec des mandats de qualité, si vous en avez déjà, avec des descriptifs de services, pensées, valeurs ajoutées. Mais aussi avec des technologies innovantes comme des écrans dynamiques à la place de bonnes vieilles fiches vitrines, etc. Il y a aussi vos supports print, prospectus, catalogue, carte de visite, panneaux de vente. Ils sont hyper importants parce que tous les documents que vous distribuez, mais aussi les panneaux que vous affichez sur les biens en vente, sont des prolongements de votre enseigne. Ils emportent les couleurs et véhiculent ces valeurs. Ces éléments physiques sont aussi ce qui permet au prospect de jauger le professionnalisme du prestataire. Avec des services et une marque bien mise en valeur, vous avez plus de chances d'attirer l'attention et de générer de la confiance. Levier numéro 2, site web et communication digitale. Le site web est une seconde vitrine digitale cette fois et dans certaines circonstances, elle peut même devenir la toute première vitrine et générer bien plus de trafic que votre vitrine physique vous apportera de prospects. C'est un levier fondamental de la communication immobilière au 21e siècle. Il est donc à actionner au plus vite, dès le début de votre activité. Vous pensez peut-être qu'un site web c'est surtout utile aux gros acteurs du marché comme les franchisés, les réseaux de mandataires et autres. Ceux qui ont une importante puissance de frappe digitale et qui bien sûr prospectent sur l'ensemble du territoire puisqu'un site n'est pas spécialement local. Bah ben, en fait non, pas du tout. Toute entreprise peut avoir un site. Même un indépendant peut avoir un site. Même un mandataire peut avoir un site. Et c'est essentiel pour communiquer. Dites-vous que 9 projets immobiliers sur 10 démarrent sur Internet. En gros, si vous n'êtes pas présent sur le web, une grande partie des prospects ne vous trouveront tout simplement pas, même si vous faites votre publicité par des moyens plus classiques. Bien entendu, avoir un site en ligne, ça ne suffit pas. D'ailleurs, le terme de vitrine digitale est malvenu parce qu'il faut penser qu'il faut juste parler de vos services. Et mettre un numéro de téléphone et basta. Bon, en fait, l'idée c'est d'en faire un tout petit peu plus, hein, un vrai média dédié à votre agence. C'est-à-dire d'en faire le centre névralgique de votre communication. Il y a encore trop de professionnels qui payent pour avoir, je veux deux trois pages et qui ne touchent pas pendant après quelques années. Qui n'anime strictement rien. C'est comme si vous achetiez, je sais pas moi, une télévision et que vous restiez toujours sur la même chaîne, hein, sans aller voir les autres fonctionnalités ou, ou, ou que sais-je. Alors que votre site web, c'est un outil pluridisciplinaire, il sert à tout à communiquer avec vos prospects et clients, à présenter vos services, à collecter des emails, à faire votre promotion, à véhiculer des messages et des valeurs, à gagner en visibilité sur le web grâce au référencement naturel à démontrer votre expertise avec des articles de blog et puis à envoyer vers vos comptes sur les réseaux sociaux. Et la liste est encore bien plus longue. Levier numéro 3, notoriété et popularité. En communication, on distingue deux concepts. La notoriété d'un côté et la popularité de l'autre. La notoriété, c'est le fait pour une enseigne d'être connue puis reconnue par les consommateurs. Par exemple, la boulangerie du coin de la rue, elle a une bonne notoriété. Et ça se voit parce que tous les dimanches, bah, on fait la queue dans la rue pour acheter du pain ou des croissants. Mais cette notoriété peut être associée à une image positive ou négative. Elle peut être bonne ou mauvaise. La popularité, c'est la faveur dont jouit justement un grand nombre de personnes. Une enseigne est populaire parce qu'elle a beaucoup de succès et donc parce qu'elle jouit d'une bonne notoriété. Il est donc important de gagner en notoriété pour développer sa popularité puis pousser à l'action. C'est en quelque sorte la Sainte Trinité de la communication. Faire connaître. Faire aimer et faire agir. Pour appliquer ce schéma à votre business, vous avez besoin d'une méthodologie qu'on appelle l'inbound marketing. Elle englobe toutes les actions à mettre en place pour faire connaître votre enseigne et pour la faire aimer de façon à ce que vos prospects soient encouragés à agir. L'inbound marketing, c'est une stratégie marketing qui consiste à attirer les clients naturellement vers une marque plutôt que d'aller les chercher en créant les conditions pour qu'ils prennent cette décision par eux-mêmes. On peut dire que la stratégie est réussie lorsqu'une personne, qui a besoin d'un produit ou d'un service, pense d'emblée à une marque en particulier. Pour que ça arrive, il faut que cette personne elle, ait cette marque en tête depuis un bon moment, de façon à ce qu'elle vienne naturellement à l'esprit au moment où elle en a besoin. Par exemple, vous voulez aller manger au restaurant, vous choisissez de faire 20 km pour aller dans un endroit en particulier, Personne ne vous a obligé à aller là-bas, encore moins à vous téléphoner 100 fois pour vous convaincre. Vous connaissez l'enseigne de réputation, tout le monde en dit du bien, et vous êtes tombé sur le menu en ligne l'autre jour, et ça vous a donné envie et mis à l'eau à la bouche. Bref, vous avez pris cette décision tout seul parce que ce restaurant a bien fait son boulot de communication. Levier numéro 4, événements locaux et buzz. Une bonne manière de communiquer localement consiste aussi à organiser des événements ou à participer à des manifestations organisées par d'autres, soit par la ville ou par les commerçants par exemple. Un événement peut prendre toutes les formes que vous voulez. Hein. La seule limite, c'est votre imagination. Mise en scène de votre vitrine, par exemple pour les fêtes Noël, Halloween, Saint-Valentin. Un jeu concours sur Internet. Une journée porte ouverte sur un bien hein, que vous avez rentré. C'est un type d'événement qui est encore peu utilisé en France, mais qui a le mérite d'être original et de faire le buzz. Exposition d'artistes locaux dans votre agence, si vous avez une agence, crémaillère chez des nouveaux acheteurs, etc. Vous pouvez même commencer dès l'ouverture de votre business avec une inauguration en bonne et due forme pour que justement vous puissiez vous faire connaître auprès d'un maximum de personnes et ça le plus rapidement possible. Et pas seulement aux clients potentiels, n'oubliez pas les prescripteurs, les commerçants, les syndics, les élus municipaux, bref. Tous ceux qui peuvent former votre réseau. Il y a aussi les manifestations locales qui sont d'importantes occasions pour vous montrer et communiquer sur votre agence ou votre réseau. Si la commune organise une compétition sportive, une kermesse ou un concours de sapin de Noël, n'hésitez pas à participer et à vous faire voir. Mieux encore, devenez sponsor d'un événement ou jouez les volontaires le jour J. Ce sont des actions qui aideront à attirer l'attention sur votre enseigne et à faire le buzz. Levier numéro 5, vendeur et communication locale. On n'a pas encore parlé des cibles de vos actions de communication. Bien entendu, l'objectif, c'est d'attirer l'attention des propriétaires vendeurs pour remplir votre stock de mandats. Donc, il faut élaborer une stratégie de communication qui cible expressément ces profils et s'adresser à eux en priorité. Il y a plusieurs actions possibles pour ça. Publiez, par exemple, des contenus sur votre blog ou vos réseaux sociaux avec une forte dimension locale. Des contenus qui vont intéresser les vendeurs parce qu'ils répondent concrètement aux questions qu'ils se posent. Bref, surtout répondre aux problématiques qu'ils essayent de résoudre. Études de marché, typologie sur les biens vendus, conseils pour vendre, etc. Il y a aussi des actions, euh, il faut aussi actionner des leviers, comme par exemple le référencement local sur Internet ou encore Google My Business, euh, qui a été créé par Google, c'est un peu euh, l'annuaire papier euh, version web. Il suffit donc de créer une fiche, d'associer votre enseigne et de remplir quelques champs. Et voilà, les internautes peuvent grâce à ça facilement vous trouver euh, soit sur le moteur de recherche des professionnels de l'immobilier, soit grâce à la géolocalisation, soit en indiquant la ville concernée dans leur recherche. Vous pouvez aussi utiliser les réseaux sociaux, par exemple en créant un groupe Facebook dédié au marché immobilier dans votre quartier. Vous pouvez aussi lancer un magazine local au format papier, disponible dans votre agence, mais aussi chez les commerçants locaux participants, où les lecteurs pourront trouver des informations sur le marché immobilier, des astuces, des renseignements sur les produits et les services qu'ils peuvent trouver dans le quartier, et des liens vers vos contenus web, et j'en passe, et des meilleurs. Levier numéro 6, rigueur et efficacité. Dernier point essentiel, pensez à déployer une vraie stratégie de communication. Évitez de lancer des actions à gauche, à droite, sans cohérence ni logique. Vous devez absolument penser à l'ensemble du processus et lui donner des objectifs clairs et concrets à atteindre. Une stratégie, c'est toujours le même ordre à respecter. Des objectifs d'abord, des moyens ensuite. Mais cette stratégie, il faut aussi la construire. D'abord en lui donnant un cadre rigoureux, marqué par des fondamentaux de la communication. Une campagne de com, c'est quoi c'est déjà un message. Évitez, euh, surtout, euh, pitié comme de la peste, les opérations de communication un peu fourre-tout. Une campagne, c'est aussi un début et une fin clairement définie. Vous commencez tel jour et vous finissez tel autre, sans le dépasser. Fixez-vous un calendrier à l'avance et respectez-le. Une campagne, c'est aussi un objectif à atteindre qui doit être spécifique, mesurable, ambitieux, tout en restant rationnel. Des actions de communication, c'est des moyens de mesurer vos performances. Il faut évaluer les résultats de vos actions régulièrement. C'est le seul moyen pour apporter des corrections de trajectoire et optimiser le retour sur investissement. Une vision à long terme, vous devez savoir à tout moment où vous en êtes de votre stratégie, ce que vous allez faire demain, après-demain, dans une semaine, dans un mois. De la souplesse. Toute action doit pouvoir être modifiée, corrigée si nécessaire, en fonction de la nouvelle orientation de votre stratégie. Ensuite, il y a un travail d'équipe qui entre en ligne de compte, hein, car vous n'allez pas faire ça tout seul. En même temps, vous devez pouvoir compter sur vos collaborateurs et dessiner avec eux les grandes lignes de votre stratégie. Après tout, ils sont sur le terrain, ils connaissent le secteur et ses habitants au moins aussi bien que vous. Ils sont donc bien placés pour faire des recommandations et faire remonter les besoins qui s'expriment sur le terrain. En plus, animer vos équipes de cette façon, c'est un gros point positif. C'est enrichissant et motivant. Ça donne envie de se dépasser, de faire toujours mieux au profit de l'agence ou du réseau. Alors, n'hésitez pas à impliquer personnellement vos conseillers immobiliers et à faire des points réguliers avec eux sur le déroulement de la campagne, sur les résultats atteints, pour leur montrer concrètement les fruits de leurs efforts. Et voilà, on est arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, surtout que tous ces conseils vous aideront à communiquer plus efficacement et à remplir vos carnets de mandat. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Allez, c'était Frédéric avec Facilogie. À bientôt, les amis.